Allez, à bientôt. J'ai des coupons d'essence en trop, ça vous dit? Ouais, ça m'intéresse. Parfait, voilà. Envoyez l'argent. Bien sûr, tenez, voilà pour vous. Merci. Et surtout, vous m'avez jamais vu. Y aller avec les flics au cul. Faut que je sème les flics. Oh merde. Eh ben, Joe sait écrire maintenant. Il y a du nouveau pour nous. Un très gros truc. Passe chez Freddy ce soir. Viens avec un flingue et des rossignols. Où t'étais passé? T'es resté au pieu toute la journée? Moi la paix, j'ai bien le droit de me reposer après le boulot d'hier soir, tu crois pas? Vous buvez quoi, monsieur? Un café. J'ai dit pour l'instant. Mais quand Alberto va savoir ça, il va y avoir du sang sur les murs, ça tu peux me croire. Sinon, pareil que t'as pas été à la hauteur hier soir. J'ai pas eu de chance, c'est les risques du métier. Eh les gars, relax. On fait un métier risqué. Si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours aller travailler comme des cons sur les quais. Pardon, Henri, je charrie un peu, tu vois. Alors pour soi, ça marche toujours le truc dont on a causé hier? On va le savoir tout de suite. Ça fait 2 putains de mois de trop! Je veux mon pognon! Il prend pour qui ce connard? Son oncle d'Amérique? Fais-le! Maintenant! C'est qui? C'est trop tôt pour que je te le présente. Bon, écoute. Il y a un type qui doit du fric au patron. Il a emprunté pour ouvrir une bijouterie et il est en retard pour rembourser. On va récupérer le fric ce soir. En bijoux. Plus un bonus pour notre dérangement. Joe, explique-lui. La bijouterie est dans la galerie marchande du centre-ville. Il n'y a pas de garde la nuit. Alors il suffit de forcer la serrure et on est bon. Ça m'a l'air un peu trop simple. Parce que c'est tout simple. Avec toi, faudrait toujours que tout soit super compliqué. Parce que toi, tu sais même pas changer une ampoule. C'est ça, ouais. Fous-toi de ma gueule. J'ai des uniformes d'agents du téléphone pour faire croire qu'on répare une... Oh, j'en suis... Génial, on va les niquer, ces fumiers. Tout ce qu'on a à faire, c'est attendre qu'il fasse nuit. Bien passé sur les quais? Quoi, avec des règles, tu veux dire? Ouais, un sacré numéro, hein. T'as fait bosser? Ouais. Quelques gars à mater. C'est pas un boulot pour moi. Presse ces types comme des citrons, comme il l'a fait avec mon père. Bah, rien t'obligé à le faire, il t'a pas forcé à bosser pour lui, hein? Lui non, mais ma mère, oui. Arrête de tortiller, tu veux, et sois chic avec Derek. Crois-moi, il a mieux à offrir que de secouer les dockers. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vite, les mecs! Parce que les flics, ils vont pas tarder! Allez! Putain, Brian O'Neill! Mais c'est quoi, ce merdier? Irlandais de mes deux mecs, qu'est-ce que tu fous ici? Barbaro, c'est à moi de te demander ce que tu fous ici! Hé, t'arrives trop tard, chef. On n'a pas laissé grand-chose. Va te faire foutre, c'est chez moi, ici. Si tu veux sortir d'ici en un seul morceau, à bout de la marchandise tout de suite. Dis donc, sur l'enseigne dehors, y a pas marqué chez Brian O'Neill. Sinon, je l'aurais plutôt cramé, ça oui. West Side Mall, je répète, 10-31, cambriolage... Ici patrouille 54, on y va. Avec les bijoux, et je te conseille de dégager avant que les flics s'amènent. Ah merde! Ton merde, Irlandais. Faut qu'on sorte de ce piège à con. Mais qu'est-ce que vous attendez? Chopez-les! Brian, les flics arrivent! Merde aux flics! Je veux ces putains de bijoux! Mène-toi! On se tire d'ici! J'aimerais bien. Chier! Y'a les flics! Ouvre-moi pendant que j'ouvre la porte. Empêche les flics d'approcher. Ici, presque. Retiens-les encore un petit peu. Allez, saloperie. Ouvre-toi. Ça y est. Ok, on peut sortir. Allez, dis donc. Police! Vous êtes cernés! Merde! Chier, on est encore coincé. Faut passer par là, c'est notre seule chance. Allez, Vito, remets-toi le cul. T'es dingue, c'est gelé ton truc. On glisse, on est mort. On n'a pas le choix, je vais pas en prison, moi. Allez! Viens vite me rejoindre! Tu veux que je t'envoie un carton d'invitation ou quoi? Ils sont là! Feu! Chier! Merde! Fais gaffe! T'as failli tomber! Ouais, je crois que je l'ai fait dans mon froc. Mais où ils sont? Ils ont dû passer par là, sergent! Et puis merde! Je suis pas payé pour ces conneries. Par ici, ça doit déboucher dans la rue. Chier, il y a les flics! Ah, police! Vous êtes cernés! J'y suis presque! Retiens-les encore un petit peu! Ça y est, ok, on peut sortir. Allez, Vito! Hé, crétin, qu'est-ce que tu fous? Henri voudra jamais croire une histoire pareille. Putain d'Irlandais. Allez! Lâche-moi! T'as rien contre moi! Il est en peine, l'Irlandais! Alors, c'était qui ce gars? Brian O'Neill, un taré d'Irlandais! Il est pas fut-fut, c'est plutôt un cogneur. Je me disais aussi, il avait pas l'air d'un prix Nobel. Chier, les flics! Bouge, t'es dans la lumière, merde! Allez, 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 allez! Vas-y, donne-moi ton sac, moi je m'occupe des bijoux. D'accord, ouais, on se voit à l'appart. Et te fais pas prendre en y allant. toute les unités. Repère, aucun poste. Salut, beau mec. Bonjour. Joe est déjà sorti. Il te retrouvera chez Freddy pour déjeuner. D'accord. Dommage que t'aies dormi si tôt hier soir. On se serait amusé. La prochaine fois, hein. Bye. Allez donc. Espèce de salope! Reviens ici tout de suite! C'est pas vrai, ça! Quand on sait pas conduire, on reste chez soi! Eh, mais c'est la nana de Joe, là! Enfin, une des nanas de Joe. Tu pètes ma caisse! Je vais péter la tienne! Regarde ma caisse! Et là, on se détend, l'ami. Non mais t'es qui, toi? Quelqu'un qui aime pas trop qu'on parle comme ça à une dame. Alors tu ferais bien de te tirer avant que je m'énerve pour de bon, hein? C'est quoi cette salope? C'est ta fiancée? Si c'est pas elle qui paie les dégâts, ce sera toi. Tu dis encore un mot et je te redécore la gueule. Allez, casse-toi, je t'ai assez vu. Mais... je t'avais prévenu. Merci, Beaumet. Je me souviendrai. Ça te dirait de venir chez moi pour une grosse part de tarte? C'est gentil, mais un de mes potes... non, laisse tomber. Je suis sûre que ça te plaira. Il faut que j'y aille maintenant. À la prochaine. Salut les gars. Salut, comment ça va? Vito, voici Luca Gurino. Il veut vous parler. Luca, lui, c'est Vito. Enchanté, monsieur Gurino. Et pas tant de manières. Appelle-moi Luca. Assieds-toi, Vito. Qu'est-ce que vous prendrez, monsieur? La même chose que moi. Et en vitesse. Pareil que vous êtes tombé sur les Irlandais. Putain d'histoire. Vous en êtes tirés comme des chefs. Du bon boulot. Salute. Salute. Les gars, je suis impressionné. Je connais pas beaucoup de mecs qui auraient eu les couilles pour ce genre de boulot. Alors, je me demande si vous êtes prêts à passer à la vitesse supérieure. Bien sûr. Faut faire quoi? Vous pourriez éliminer un type? Comme de bons soldats, juste parce qu'on vous a dit de le faire? J'ai fait la guerre, monsieur Gurino. Alors j'ai tué comme un bon soldat. Des types que le président m'a demandé de buter. Le président. Ah ouais, j'adore. Mais là, tu parles des boches, hein? Tu sais, les méchants. Là, c'est différent. Vraiment. Oui, parfaitement. Bon, il nous faut des gars comme vous. Des gars qui savent obéir sans poser de questions. Vous faites ce boulot aussi bien que celui d'hier soir, et je crois que vous aurez une bonne chance d'entrer dans la famille. Enfin, après avoir payé le droit d'entrée, évidemment. Et ça fait combien? 5 plaques chacun. Mais c'est une fortune. Hé, personne n'a dit que c'était donné, ok? Tu peux me croire, les bénéfices valent largement l'investissement. Mais vous avez aussi le droit de réfléchir. Henri va tout vous expliquer, on se revoit bientôt. Ravi de t'avoir rencontré. Ah, te voilà. Salut, patron. Tu t'es occupé de ce dont on a parlé? Ouais, c'est entre de bonnes mains. T'as déjà dit ça la dernière fois. Me déçois pas à nouveau. Patron, je vous jure... Viens avec moi. Il y a autre chose dont je veux te parler. Bon, Henry, en quoi il consiste alors ce boulot? Je dois buter un gars. C'est mon contrat, mais je peux pas le faire seul. C'est pour ça que vous êtes là. Et ce gars, c'est qui? Une grosse baleine de l'autre côté du fleuve. On l'a déjà mis en garde, mais il se croit intouchable. Et c'est le cas? Ben... il y a quelqu'un qui a essayé de se le faire. Et? Disons qu'il l'avait un peu sous-estimé. Un peu comment? Un peu trop. Tu veux dire par là que le type est mort, c'est ça? Eh, ils ont merdé, c'est tout. J'ai loué un appart en face de son quartier général. On s'installe, on attend que la baleine se pointe, et puis boum! On l'explose. Et on va faire comment? À la MG-42. Et qui va nous la fournir, la MG-42? Harry. Ouais. Un vétéran, comme toi. Il tient un magasin d'armes du côté de Kingston. Il peut tout avoir, depuis la sarbacane jusqu'au bazooka. C'est pas lui qui va te réclamer un permis de port d'armes. Ok, avec Joe, on va à l'appartement. Vito, toi tu vas chercher la mitrailleuse chez Harry à Kingston. Elle est payée. T'y vas de ma part. Après, tu nous rejoins à l'appart. C'est sur Sand Island. L'immeuble qui est en face de la distillerie. Appart 233. Ok, 233, pigé. On se rejoint directement là-bas. Allez, à tout à l'heure. Bonne chance, vieux. Un de ces jours. Qui c'est? Henry Tomasino m'envoie pour ce qu'il a commandé. Entre! C'est pourquoi? Henry Tomasino m'envoie pour ce qu'il a commandé. Ok, entre.